Deux points d'écart seulement entre Metz 11e et Nice 13e. Des Messins qui ont pris un point sur les deux derniers matchs après deux victoires. Aucun but inscrit à l'occasion des deux dernières rencontres. Il y a énormément d'absents dans les rangs. Lorrain, Nian, Nguet, Pajot, Udol, Doram et Boulaya ne peuvent jouer ce match. L'équipe de Frédéric Antonetti va essayer tout de même de faire mieux que le très triste 0-0 joué contre Bordeaux quelques jours auparavant. Et ce sont les Niçois les premiers en action avec cette balle dans la surface. Des Aiglons qui réclament un pénalty et l'arbitre de la partie va voir à la vidéo. Johan Hamel, après visionnage à la VAR, accorde le pénalty à l'OGC Nice. Pénalty tiré et transformé par Amine Gouiri. 17e minute, Nice mène à 1-0. 6e but de la saison pour Amine Gouiri. Le contre-pied est réussi sur Alexandru Kidja. Et Nice se place bien dans ce match. Metz trouve enfin des ressources pour réagir. Et enfin attaquer. Le premier tir messin sauvé par Walter Benitez. Une première intention qui peut mettre les Grenats dans le bon sens. Nouvelle attaque messine. Possibilité de frappe encore sauvée par Walter Benitez. Les joueurs de Frédéric Antonetti sont de plus en plus dangereux. Mais ils ne parviennent toujours pas à égaliser. Encore une chance avec Delaine pour le centre. La reprise de la tête passée puissante. Ce sont bien les Niçois qui tiennent le résultat à la mi-temps. 1-0 pour les Aiglons. Disque évolue sans Schneiderlin blessé. Bambou est suspendu. Dolberg est de retour dans le groupe mais débute le match sur le banc après une absence assez importante. Les Niçois qui n'ont pris qu'un point sur les trois derniers matchs. La victoire ferait énormément de bien. Peut-être un deuxième but pour Nice. Le ballon est cadré. Le gardien relâche. Oukidja s'est fait peur. Mais en deux temps récupère cette balle. Sur ce contact, l'arbitre laisse jouer. Nouvelle attaque niçoise. Le centre et le ballon sauvé par Oukidja. Deuxième chance encore Oukidja. Grosse possibilité niçoise avec notamment Jeffrey Nadélaïde. Encore les Aiglons à l'attaque. Avec ce ballon taclé. Et encore Alexandre Oukidja sur la trajectoire. Les Messins ont eu très très chaud mais ne sont toujours menés que d'un seul but. Ils ont donc des possibilités pour revenir et c'est fait grâce à ce but de John Boy à la 78e minute. L'égalisation messine et le premier but de la saison pour le défenseur international ghanéen. Énormément de réussite sur ce coup-là. Il est bien placé, le ballon lui rebondit dessus. Un but qui vaut très cher car Metz était en difficulté. Et au final, ça fait bien match nul un partout entre Metz et Nice.